Les réseaux de craquelures, a priori, n'ont pas bougé, c'est stable. Fin d'hiver d'Armand Guillaumin. Le public a pu admirer le tableau pendant 3 mois et demi, mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à la contemplation. Avant de reprendre la route vers le Petit Palais à Paris, il est ausculté dans les moindres détails, car des mauvaises surprises après une exposition, cela arrive. Le danger, ça peut être d'être touché par le public, que les gens s'approchent trop de l'œuvre en fait et malencontreusement pointent du doigt pour regarder, montrer et touchent l'œuvre. Une inspection minutieuse et le verdict tombe. L'œuvre est intacte. Le constat d'état est signé par les représentants des deux musées. Maintenant, l'œuvre va retrouver son domicile à Paris. J'espère, il reste encore le trajet. Oui, il reste encore le trajet. Pièce maîtresse de l'exposition « La fin du déjeuner » d'Auguste Renoir. Ce sera la dernière œuvre à quitter le lieu vendredi prochain. Il a fallu discuter pendant 4 ans avec le musée de Francfort pour qu'elle vienne à Nantes. Alors avant qu'elle reparte, le commissaire de l'exposition en profite encore durant quelques jours. C'était compliqué de la voir. Donc c'est une belle récompense de l'avoir reçue aussi longtemps. On sait qu'au Städel Museum de Francfort, elle a beaucoup manqué. Donc c'était une vraie preuve de confiance de la part de ce musée-là. L'opération de décrochage va se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. Mais si le rideau est tombé sur le scandale impressionniste, cette exposition restera dans l'histoire du musée d'art de Nantes. Plus de 120 000 visiteurs ont défilé devant les œuvres de Cézanne ou Monet. Un record pour le musée.